donne un souffle à ma voix et mon cœur reviendrait à toi. Yes, on your face. In your face, baby. In the zone. Shaquille O'Neal. Greg, il faudrait peut-être que tu te rases parce que t'as une sale tronche. Putain. Mais ouais, non mais attends, tout le monde croit que je suis un verbe, tu sais, mais je me laisse pousser deux jours la barbe, ça y est, hein. Ça commence. Vas-y. C'est bon, ça. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez nous. Ouais, c'est le truc. Les toilettes... Ah, c'est le truc très vieux, ça. Mario, s'il te plaît, est-ce que tu peux réenclencher les pieds de ton micro, merci. Oui, ah, je les ai enlevés. Ah oui, pardon, je me reconnais ce que j'ai enlevé. Bah écoute... Mais je crois que depuis tout à l'heure, j'ai pas de pile, moi. C'est bizarre. Mais il devait t'entendre par rapport à notre micro, alors. Ouais, je crois. Il y a une... Il n'y a plus d'unité. Alors, qui c'est qui reste? Mathieu. Bon, Francesca, elle sera toute seule, j'ai capté. Tu sais ce que je comptais faire dans les évals? Moi. À la base. Je voulais faire, tu sais, quand c'est la mort qui a assassiné Martial, là. Ouais. Je voulais faire un saut par terre, là, mais... j'aurais dû le faire. Si j'aurais fait ça, ça aurait été un peu plus décalé, quand même. Ça aurait pu t'aider, déjà. Mais j'ai entendu, quand tu m'as fait tes appréciations, j'ai relevé aussi le fait que tu aurais aimé que je prenne une autre voix. Non. Pas que je chante comme d'habitude ou j'essaie de m'appliquer et tout ça. Que tu décales ta voix. Faire des sons, des intonations un peu de... Non, c'est comme si je te disais... Tu voulais pas que je chante Marcia en roulant les airs? Non. C'est pas ce que tu voulais. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Ouais. Mais t'as fait ça toi ou t'as fait c'est comme ça? Non, j'ai fait Marcia. Ah oui, Marcia. C'est comme si... Comment t'avais Marcia? Tu sais, c'est ce que tu faisais dans une chanson de que tu... Ouais. Et c'est pas décalé, quoi. D'accord. C'est ce qui t'est... au naturel. Ouais. C'est comme si, plutôt, pour donner une image, c'est comme si tu étais pété, en fait, comme si tu avais bu. Oui. Et que tu peux pas te contenir. Ouais. Tu vois le contraste? Quand tu as envie de rire, des fois, tu peux pas te retenir, tu peux pas faire des trucs bien placés, ou tu peux pas prendre le temps de faire ça. Ouais, ouais, c'est... C'est dans la tête, c'est tout. Hein. C'est pas dans... C'est-à-dire qu'il fallait pas trop gérer, en fait. Ouais. J'ai trop contrôlé. Ouais, voilà, c'est ça. C'était pas faux, mais c'était trop contrôlé. Donc si tu contrôles trop, c'est plus décalé. Ouais. Ou alors, faut vraiment contrôler le décalé dans tout. Tu vois, du début à la fin, qu'on s'en rende pas compte. Ouais. Et c'est un peu dommage, parce que c'est tellement plus simple d'y arriver. Et un jour, essaye même en te décalant complètement physiquement. Ouais. La façon de faire ça, c'est faire une caricature de soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au début, faut exagérer, se caricaturer. Si j'aurais fait la caricature de moi-même, ça aurait pas été joli, hein. Ah oui, mais en même temps... Ça aurait été bien, justement. Ouais. Mais en même temps, ça veut pas dire ça n'a rien à voir avec le chant ni rien. Ça, c'est un exercice de style, on est d'accord. Hein. Mais je sais, de toute façon, c'est pas ton domaine aussi de devoir juger le chant et tout. Ouais, ça pourrait, mais... Ça pourrait, ouais. Non, mais je veux dire, principalement, c'est vrai que cet exercice-là... Voilà, moi, la réponse que je te donnais, c'était par rapport à l'expression c'est nul, quoi. Ouais, ça, j'ai complètement compris. Mais toi, quand tu te vois, ben, tu t'es pas vu, mais quand si tu te voyais avec du recul, franchement. Mais même sans me voir. Parce qu'après, tu sais, je me suis refait le. Ben voilà, tu t'es refait le film. J'ai refait le film, j'ai pris en compte ce que tu m'as dit, donc j'ai dit qu'est-ce que j'aurais. Et puis bon, bah, c'est vrai, j'aurais pu faire bien plus de choses, un peu décalées. Un peu plus folle aussi. Surtout par rapport à ce que je fais dans la vie de tous les jours avec Sofiane et compagnie. C'est ça, parce que c'est ce dont moi j'ai conscience. C'est ce que tu m'as dit quand t'es sorti. Ben oui, je t'ai vu plus décalé dans ta vie, donc sur scène, il faut aussi utiliser tout ça. Ouais. Quand t'as le droit. Tu vois, le mec, tu m'as donné faim là. Si le mec, il fait le clown non-stop, ça va pas non plus. As-tu du pain?
Ouais, ça, ça va pas. Mais si par contre, au bon moment, tu le fais. Ouais. Tu vois? Merci, c'est bon. Donc là, ça peut le faire. Ouais. Tu vois? Là, ouais. Effectivement, ça passe. Mais tu vois, t'as pas pris de risque, en fait. T'as pas osé prendre un risque avec toi-même. Ouais. Alors que justement, je pense que si on veut devenir un jour artiste, il faut prendre des risques. Justement. Ouais, mais bon, t'es déjà artiste. Vous êtes tous déjà artistes, quelque ouais. part. Et si tu veux évoluer, il faut prendre des risques. Ouais. Bah, c'est sûr. C'est ouais, dur. Non, mais c'est clair. C'est dur, hein. Parce que c'est dur parce qu'on a un instinct qui nous raccroche. Non, mais c'est vrai que surtout, c'est qui vrai. Qui nous raccroche en nous disant non, fais ce que tu sais faire parce que ça marche. Ouais. Tu comprends? Oui. Et ça, c'est tout le monde, c'est normal. Mmh. On va toujours se raccrocher à ce qu'on sait faire parce que c'est. On ce qu'il y a, c'est de trouver en fait un. Faut lâcher en fait, je veux dire comment j'étais, dans quel état d'esprit, c'était. Je me disais au niveau du chant, il va falloir quand même que j'assure parce que tu as Isabelle qui est là et qui a la moindre petite. Accroche, va voilà, te faire remonter. Faire à chaque truc, quoi. Voilà, donc j'ai essayé de faire un truc, essayer d'être homogène pour bien regrouper un peu toutes les disciplines. Et voilà quoi. C'est vrai que c'est difficile parce que tu vois, par exemple, je sais pas, dans un tableau d'évaluation que je te cite, par exemple, je sais pas, il y a 3 semaines, quand j'avais chanté le Céline Dion, le Je t'aime encore, c'était que des super compliments. Et puis t'as Isabelle qui dit, il faut te reconcentrer carrément. Il y en a qui sont. C'était à l'est et là c'était carrément l'ouest, quoi. Ouais. C'est, au niveau des appréciations. Alors c'est difficile, tu sais, de faire le. De toute façon, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Non, mais c'est pas une question. Ouais, je sais bien. Déjà. Mais c'est vraiment que c'est carrément le jour et la nuit, quoi, les remarques. Oui, oui, tout c'est à fait. Ça mais qui tu est l'avais entendu ça en live déjà. Enfin, tu te souviens que tu avais dit, moi j'avais dit que, au contraire, j'aimais bien la sensibilité, parce que je connais bien Céline Dion, enfin son travail. Ouais. Donc je reconnaissais. Ah, tu connais bien Céline Dion? Ouais, c'est une copine. Hein. Non, c'est vrai? Non. Non, mais je connais bien son travail, tu vois. Mmh. Et, d'ailleurs, je suis en train d'écouter Barbara Streisand dans le. Et tu sais qu'elle elle s'est vachement. Elle a vachement étudié son travail. De... Ça mais s'entend. Elle, ça s'entend grave, Barbara Streisand. C'est de la folie, hein. La folie. Elle a une technique, c'est. Non, mais je veux dire, même chez Céline, tu peux entendre Barbara Streisand, quoi. Mmh. Grave. Ça ouais. suffit, si tu réécoutes. Bon, bah, j'ai beaucoup aimé, moi, leur duo, la Telling. Ouais, c'était beau. C'était un mélange des voix là, c'était pile poil quoi. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, des voix, des super voix qui ne sont pas obligées d'aller ensemble, mais celle-ci, c'était pile poil quoi. Ah ouais, tout à fait. Et bien sûr, c'était le jour et la nuit, mais l'idée c'est. L'idée, tu vois, c'est ça qui est recadrer, difficile. Oui, mais il faut recentrer tout par toi, à toi. Il ne faut pas recentrer par rapport à nous. Ouais. Sinon, tu te perds. Parce qu'un jour, un va dire bleu, l'autre va dire rouge, l'autre va dire vert, l'autre va dire vert. C'est sûr. Mais ouais. si tu te dis quel exercice qu'on me demande. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être décalé, dans ma tête, dans mon imaginaire. Parce que là, on fait appel à l'imaginaire, tu vois. Je l'ai... Tu l'as léché? Ouais. Tu te léché. Ben c'est bon, je prends le couteau. Ouais, c'est bon. Ouais. Je tu vois. Et tu dis dans mon imaginaire, c'est quoi être décalé? Comment tu t'imagines quand tu es dans ton univers à toi et que personne ne sait? Je sais pas, mon chien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté beaucoup plus fou. Donc, à partir du moment où tu ne veux pas chercher à plaire, tu fais ça déjà au départ, tu t'imagines, et après tu essaies de le réaliser. Ah ouais. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, c'est ça l'exercice. C'est un exercice. Ouais, bah tu vois, j'avais pas, en fait, le problème, c'est que j'avais pas totalement cerné l'exercice. Mais ça a plu, hein, ce que tu as fait, hein, je te dirais. Je sais, non, mais moi, je veux dire, c'est pas parce qu'il y en a qui me disaient des compliments. Moi je retiens toujours, c'est comme un t-shirt blanc quoi, il y a une petite tache noire, ben, je vais voir que la tache noire quoi. Ouais non mais faut pas assombrir le truc non plus, mais il faut que tu évolues quoi. Bah justement pour évoluer tu vois, faut bien que je prenne en compte. Faut que t'arrives je vais pas te dire ah super j'ai eu des compliments. Non mais faut que t'arrives à aller vers d'autres extrêmes. C'est-à-dire comme maintenant, je sais que tu sais le faire et de toute façon c'est évident, mais quand tu as fait le truc rock, c'était top. Tu vois, tu te lâches à mort. Quand je me suis lâché. Tu te lâches à mort. Quand tu as fait le dernier truc la dernière fois, c'était dommage, on l'a pas vu, mais tu as fait. Enfin, on l'a pas vu, c'est dommage, c'était à la sonnerie, je veux dire, pardon, que on n'a pas eu le temps d'entrer, mais quand tu as fait l'animal et que tu as fait drôle, le chat, là, avec John, c'était génial. Ah ouais, ouais. Mais il y avait un truc qui se passait. On va le refaire. Plus de temps, plus de trucs, il y a un truc qui s'est passé. Ah ouais, d'accord. Et c'est une autre forme.
d'excentricité. Toi, c'est une autre forme. Mais tu l'as fait à fond. Ouais. Donc des fois, quand on chante, on peut aussi faire appel à ça. Surtout dans des comédies musicales. Ouais. Non, c'est clair. Non, c'est comme si on disait, ouais, tu joues un méchant, tu joues un décalé, tu joues un fou, mais tu me fais du Greg. Comment ça veut dire quand on me dit tu me fais du ça, tu me fais du Céline, tu me fais du Greg? Non, c'est clair. J'étais jeune. Tu peux te permettre de... Non, mais oui. Parce que tu as des habitudes, mais tu peux encore changer plein de trucs. Tu peux élargir ta palette. C'est plus dur quand tu as 40 ans, déjà. Parce que tu as des habitudes bien prises de chansons, ouais, de tonnades, et tu vois. C'est clair, on a toujours tendance un peu à chercher ou à se découvrir. Voilà. Donc il faut prendre ça en positif. Moi, tu vois, le rock, explorer. J'ai carrément découvert le rock. J'ai adoré, moi. Non, j'avais jamais... Mais c'est marrant parce que pourtant c'est un truc que Céline elle fait vachement. Ouais, mais j'ai déjà entendu du rock de Céline, mais bon. C'est plus soft. C'est plus soft, ouais. Une femme, c'est normal. C'est plus vocal aussi, c'est plus. C'est-à-dire que le temps à nouveau de Jean-Louis Aubert, c'était plus. Justement, j'avais bien apprécié parce que j'avais réussi un peu à me décaler de. Probablement. De ma façon habituelle de chanter. C'était moins des performances vocales. C'est ça le... En même temps, la beauté chez Céline Dion ou des gens comme ça, c'est ce qu'on a envie, des gens ils ont envie d'entendre. En même temps, l'exercice, c'est bien d'avoir les deux. Ouais. Et moi, Céline Dion, tu vois, comme tout chanteur, je trouve que c'est bien de... L'émotion, elle ressort beaucoup plus quand t'es en bas. Quand ton timbre de voix, il ressort, tu vois. C'est pas en étant en haut. De temps en temps, c'est bien. Ouais. Mais si du début à la fin, t'es toujours à essayer de faire des trucs en haut, c'est... Tout à fait. Ça devient barbant après. Tout à fait. Et bien sûr. Et tu vois, là, par exemple, pour l'évaluation qui arrive, il y a Que tu reviennes, ça c'est des chansons à voix. Que tu... Moi je pense que je préfère Que tu reviennes. Et par contre là, il y a pas de... on est d'accord, là il n'y a pas de décalé, il n'y a bah pas non, de... pas du tout. C'est de soi-même quoi, enfin, c'est vivre la chanson. Ouais. Bah, bien sûr. Il faut le prendre en chanson à voix et, ouais, et le faire avec tes nuances à toi, ouais, et ton feeling, et le texte, l'émotion, l'intention, et c'est tout. En général, tout ça, vous le ressentez déjà instinctivement quand vous êtes musicien. Ouais. Tu vois, ça se sent. Pour discuter, ça fait que confirmer une direction ou un truc comme ça. Ah, mais tu sais, ouais, c'est clair que... J'aime bien, là, tu vois, comme la chanson L'envie et tout, j'ai hâte de la chanter parce que, en plus, je ressens vachement les paroles. Bah, évidemment. Et même, ça se sent que vous êtes impliqué à fond dedans. Ouais. Là, c'était mon kiff de chanter avec elle, tu vois. Ben oui. C'était, quelle voix cette fille. Ouais. Ah, c'est la fouille. Je suis content qu'on puisse vous entendre dans votre potentiel à fond. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils choisissent bien les chansons quand même, je trouve, parce que... Ça va, ben, c'est clair que bon, il y en a toujours quelques-uns qui sont pas... Ben oui, mais en même temps, faire un programme... C'est difficile de satisfaire. C'est difficile parce que tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas forcément les chansons à voix. Bon, bien sûr, l'émotion, ça, en général, ça touche tout le monde. Mais genre, tu vois, il y a des gens qui aiment bien des trucs plus pop, des trucs plus ci, plus ça. Il faut satisfaire tout public. C'est un tour de con. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais comment ça se fait qu'on n'a qu'un cours avec toi dans la semaine? On peut pas en avoir un deuxième? Ben, je sais pas, théoriquement, tu vois... Bon, là, c'est bien, déjà, on peut te voir, là. Voilà, c'est déjà mieux, là. Il y a un créneau qu'ils ont ouvert. Mais avant, on voyait une fois par semaine. Ouais, c'est trop... C'est limite, quand même. Trop léger. Pour progresser tout ça. Mais surtout que quand moi, je vous voyais, je faisais des exercices pour... Au début, on était vraiment beaucoup, donc on pouvait pas tout passer. Ouais, je faisais juste des exercices pour débloquer des trucs, mais c'était jamais une interprétation sur une chanson, tu vois. C'était sur des styles. Parce qu'il fallait généraliser. Mais ça va se... Enfin, malheureusement, mais genre, ça va se resserrer puisque vous serez de moins en moins nombreux. Et, et en même temps, ce qui est positif, c'est qu'on pourra faire un travail beaucoup plus en 1-1, quoi, en tête à tête. C'est difficile, ça, punaise. Le fait qu'il y en a un qui parte chaque semaine. En même temps, c'est un jeu, hein. Ouais, mais tu sais, des fois on l'oublie quoi, en étant ici, on vit le truc à fond et... Complètement. On a toujours après, ça nous rappelle que... Ouais, tout à fait, mais moi je me souviens, pour nous aussi c'est dur, tu vois, en tant que prof, de vous laisser partir, même être humain, tu vois. Ouais. Mais on se souvient quand même que...
on se souvient vite quand même qu'au moins vous rentrez chez vous, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est pas comme si vous étiez à la rue et... Oui. Donc quand même, ça rassure, quoi, tu vois. Mais c'est de la folie parce que moi, je me disais quand j'étais devant ma télé, tu vois, il y en a qui craquaient, je dis mais... Qu'est-ce qu'ils ont Mais qu'est-ce que c'est pas possible de craquer, mais ils ont tout pour eux et tout ça. Mais c'est vrai qu'avec le huis clos total, tu vois, t'es coupé de tous les gens que t'aimes à la base. Bien sûr, c'est dur. Et puis avec la pression, la fatigue, tout ça, ça multiplie tout par... Ah bah, le cumul, la fatigue... C'est dingue, Et le travail non-stop, au bout d'un moment, Des fois, normal, là, t'es même... Des fois, je me retrouve comme un con, je suis là, et puis... T'as la larme qui coule, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, là? T'as l'émotion. Ouais. De tout ça, c'est dur. Merci. C'est souvent la fatigue et le... C'est pas que la fatigue, mais c'est les sensations poussées aux extrêmes. Tu vois, la joie poussée aux extrêmes, les déceptions, le travail et tout ça. Relation avec les autres, tu vois, pour la gérer. Pardon, donc c'est pas évident. En même temps, ça va vous faire grandir énormément. Là, c'est clair. Bon, je vais voir si Mathieu vient ou pas. Mais je pense. Bon, je vois comment ils sentent aussi. Ça sert à rien de présenter juste pour... Hein? Pour que ça sert à rien de présenter juste pour faire, tu vois. Ouais. Mais il est quelle heure, là? Ouais, faut le faire vite parce que dans une demi-heure, il part, mais... Je vais déjà lui parler. Ouais. Bah, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, ouais. Merci pour le sandwich. De rien. C'est sympa chez toi? Ouais, tranquille, hein. T'as vu, c'est propre, hein. Ouais, bon...